La leçon de musique du professeur Pierre Ré. Pierre Do, désolé. Pierre Do présente Rouge Café, la leçon de musique de Pierre Do. C'est le retour de la leçon de musique de Pierre Do en ce vendredi matin. Comme chaque vendredi à 7h10, une leçon de musique consacrée à quoi? Alors je voudrais m'occuper ce matin d'une chanson qu'on a pu entendre tout au long de la semaine dans une version parodique bien stupide et qui est également sur le Facebook de la radio. Ah, Stromae. Le bâtard de Stromae, parce qu'il y a quelque chose à dire. Oui, messieurs, madame, mon cher ami Paul, donc Stromae, Paul, je ne sais plus comment, a tout copié sur John. Des explications avec la chronique qui suit. Oui, Paul. Williams. Oui, John Williams, exactement. Dans le refrain de Bâtard, on entend ça. Écoutez bien de la petite mélodie qui va avec le chant. J'aurais dit du Dorothée. Oh, la menteuse. Alors effectivement, il y a le côté nanana, mais en fait c'est en mineur, ce qui veut dire que ça change tout et que ça ressemble à ceci. Ah ouais. Mais merde alors, Vite. Putain, comment j'ai pu rater ça? Moi aussi je suis un peu déçu là. La marche impériale, les dents de la mer. Composé par John Williams pour l'Empire contre-attaque. C'était en 80. Hein. Ah ouais. Les dents de la lune, t'as dit quoi? Le clair de la lune, évidemment. Oh, clair de la lune, mon Non, évidemment. Bon, désolé les auditeurs, c'est la fatigue. C'est le feu d'artifice. Ah non, c'est frère Jacques. Donc c'est sorti pas petit navire. Bon, ça suffit, stop, c'est bon. Ça suffit. Donc c'était en 1980 que John Williams a composé ça pour la partie de l'Empire contre-attaque. Et on peut mettre Stromae avec Dark Vador, ce qui fera Strovador. Voici donc le résultat. Ou Dark Mae aussi, ouais, c'est la version noire de Christophe Mae. Dark Mae. Les gens ont peur de vos blagues. Arrêtez, oui, calmez-vous, ça fait peur. Les gens ont mal à la tête là. Ouais. Bon, alors. Désolé, bon. Vous qui rentrez dans votre voiture. Oui. Ces trois notes, hein, les. C'est une Volkswagen. Des machins comme ça constituent un accord mineur de sol. Alors on les a entendus dans plein d'autres morceaux, notamment dans un film célèbre, un film plutôt d'auteur sorti en 1991. C'est Everest. C'est la double vie de Véronique. L'accord mineur de sol, les meunières. Pourquoi? La seule manière. Bon, écoutez, là, ça va durer des plombes, mon explication. La double vie de Véronique de Kieslowski, c'est un film assez particulier, mais il y a une musique, un polonais, Zbigniew Przesnew, qui va comme ça. Ah. Au hautbois, quoi. C'est du hautbois. Hein. Le chien hautbois. C'est très proche du thème de la marche impériale. On aurait dû déjà le début de. Du parrain. Oui, c'est vrai. Et puis aussi de frère Jacques. Oui, aussi de. On peut mettre ensemble. Pas mal, hein. C'est joli. Ah ouais. Bon, attention, nouvelle révélation de la leçon de musique. Écoutez maintenant le tube de White Town, sorti en 97. Your Woman. Oui, peu de gens connaissent le nom du groupe, mais les gens connaissent bien le morceau, ceci. Bien sûr. Vous vous dites, ah mais c'est le thème de la marche impériale, accéléré. Oui. Eh bien non. C'est un sample d'une chanson sortie en 1932 qui s'appelle My Woman, du musicien anglais Lou Stone et du chanteur Al Bowley. Et c'est la marche impériale. Et moi, quand j'entends le mot marche impériale, moi, je vois des pingouins. Ça, c'est la marche de l'enfant. Oui, je sais, justement. Donc, le morceau de 1932. Ah oui. C'est pas Star Wars. C'est Star Wars, mais Charleston. T'imagines Darth Vador qui fait comme ça. L'immigration de Paris avec sa petite robe, sa petite cape. Et la tour Eiffel s'éclaire encore une fois, surplombant la capitale de sa majestueuse. Avec grand sabre, bougie. Pourrait faire la version French Cancan aussi. Ah, c'est vachement joli. Bon, sabre, bougie. Bref, 68 ans avant. Joséphine Baker avec la ceinture de banane aussi, pendant qu'on y est. Donc, 68 ans avant Star Wars, il y avait donc un groupe qui avait sorti cette petite mélodie. Je vais terminer avec trois exemples où on reprend le morceau, enfin le thème de la marche impériale. D'abord, Metallica avait fait une version hard. Ah, yes. Ok, joli. Ça vous plaît?
Oui, non. Non, d'accord. Moi non plus. Bon, je suis du côté de Blaise juste maintenant. No Doubt, t'avais sorti en concert aussi une version. Très bien. Ouais. Et le meilleur pour la fin, voici une version dubstep. Il y en a plein, je ne sais plus qui c'est qui l'a faite. Donc le début est tranquille, ça va comme ça. Ça, c'est stylé. D'accord. Ouais, t'as juste les trompettes, ouais, et cuivres avec de la rythmique un peu dubstep. Mais plus tard, ça se complique et c'est là-dessus que je vais terminer ma comparaison du jour en vous embrassant très fort. Mm-hmm. Écoutez. C'est massif, hein. C'est bien là. Eh ben c'est pas mal Pierdo. Voilà. Et pas mal du tout, bravo, applaudissements pour Pierdo. Rouge FM.